Ça bosse ? Ça, on se sent pas les gens ici. Nouvelle vidéo, aujourd'hui je vous emmène avec moi en périple. Tout ça au Cap Ferret, mesdames et messieurs. J'espère ramener de magnifiques photos de là-bas, j'en ai presque aucun doute. Terminera aussi peut-être par Arcachon, les dunes du Pilor. On va arriver pour le coucher de soleil, on passera la nuit dans la voiture et on enchaînera avec une petite session photo du lever de soleil, je l'espère aussi. Et on va pas se priver non plus d'aller se régaler demain avec des huîtres et du vin blanc. Non, là ça va Arcachon, Cap Ferret, on va quand même pas sucer les cailloux. Bon, allez, c'est parti. Nouvelle journée ici au Cap Ferret. Alors, on a commencé ce matin par un petit lever de soleil bien sympathique. J'ai pas vraiment filmé là-bas, je me suis concentré sur les photos. Déjà parce que le soleil se levait à 6h40 et que moi je me suis levé à 6h20. Oh, un petit crabe, regardez. Salut toi. On va profiter encore qu'il soit tôt et qu'il n'y ait pas grand monde sur la plage, presque personne même. Regardez. Donc je suis venu ici sur cette petite plage du village Le Canon. Déjà rien que ce nom, Le Canon, j'adore. On va s'en jeter un petit d'ailleurs après, je pense. On va d'abord commencer par se balader sur cette plage. Il y a quand même quelqu'un qui fait des travaux. Voilà, je vais commencer par ici, là il y a pas mal de bateaux. Et puis après on va aller par là-bas où il y a tous les parcs à huîtres. Allez, c'est parti pour la petite balade matinale. Regardez ça. En fait, il n'y a pas de cailloux sur cette plage. C'est que des coquilles d'huîtres. Remarque, comme ça, ils sont pas emmerdés pour les déchets de midi. Hein. Toi, tu t'es fait piéger. Petit déj maintenant. Allez, on continue. But if we take a moment to get closer to the things we need, we wouldn't need to meet that looking at the things we have. Stay here under the palm trees. Won't you lay here with me? Ça se fait automatiquement le tri. Et après dessus là il y a un pesant en fait qui vient. Ah c'est au poids, ah d'accord, d'accord. Ça se fait tout seul. Et vous savez combien vous débitez par jour? Si on fait que ça, 500 poches peut-être par jour. Ah ouais, 500 comme ça, d'accord. Ouais. Pas mal. Et vraiment que ça qui a pas la dégueulasse, c'est que. Ouais. Il y a trois. Bon bah on va s'en jeter une petite douzaine. Bon courage. Bonne journée.
Je pense que maintenant on va pouvoir envisager d'aller faire des photos. On n'est plus au lever du soleil quand j'étais tout seul sur la plage. Là, il commence à y avoir un peu de monde. Bon, ça va, c'est pas non plus la haute saison encore, donc on est à peu près tranquille. En tout cas, c'est une bonne adresse à retenir là. Hein. J'étais au petit village de pêcheurs Claouet, je crois, c'est ça le nom. Au restaurant à la bonne franquette. Les huîtres étaient super bonnes, vraiment. Et puis, le personnel, là, serveur et ceux qui bossent derrière, vous avez vu, hein, super sympa. Ça m'a permis de discuter un petit peu avec eux, de voir comment ça fonctionne, là, le tri des huîtres. 500 sacs par jour, rien que pour un resto, et c'est pas le seul, hein. J'ai repéré un ou deux bateaux un peu isolés, ils sont un peu perdus au milieu de la végétation. Ah, c'est une épave. Pour ce qui est des épaves, je pense qu'on a le compte. On remballe. Just tell me I'm honest. Tell me did you know that you would be leaving me just like the winter snow. Tell me I'm honest. Tell me should I've known. Voilà, dernière étape du séjour, on est sur la dune du Pilat et un truc qui n'était pas prévu au programme, ce sont toutes ces étoiles de mer, des milliers d'étoiles de mer qui se sont échouées il y a quelques jours ici. Regardez ça, c'est incroyable. Vraiment, ça fait bizarre, hein, ça fait froid dans le dos. Bah justement, c'est apparemment un courant d'air froid qui les aurait entraînés ici à s'échouer, c'est pas la première fois que ça arrive. Et elles sont encore vivantes à regarder, hein. J'en ai vu là une encore. On voit les alvéoles ici qui bougent. Regardez ça. Certains sont tentés de les remettre à l'eau vu l'hécatombe, puisque je pense que les oiseaux se font plaisir aussi. Voilà, moi je préfère pas y toucher, ce sont les recommandations. Juste les prendre en photo, vous les montrer. Au moins ça fait des photos très originales, très très belles. J'espère que la plupart vont s'en tirer. Nous, ça nous fait une dernière étape assez originale quand même. C'est la fin de ce séjour, on est déjà sur la route. Je ne sais pas comment vous avez trouvé ce petit périple, mais moi je me suis régalé. Attendez, on a fait des photos que je trouve superbes, une vidéo que j'espère vous aurez appréciée aussi. On s'est rempli la panse avec des huîtres et du vin blanc. Que demander de plus? Plus de vidéos comme ça? Rien de plus simple, vous cliquez sur le bouton rouge là en dessous, s'abonner, et comme ça vous allez rien manquer de tout ce qui va suivre. Et moi je peux vous dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vais garder un œil sur la route pour l'instant quand même. Allez, peace !